Et bien salut tout le monde, ici Logan7218, on se retrouve aujourd'hui sur bien sûr la découverte de The Amazing Spider-Man 2. Alors franchement je suis plutôt content, franchement je vais pas le mentir, tout simplement de se retrouver sur ce magnifique petit jeu. Alors pourquoi? Parce que pas forcément, voilà, je ne suis pas forcément fan des Spider-Man, hein, loin de là. Voilà, je les aime bien mais c'est sans plus. C'est tout simplement parce que bah, ça fait plutôt bizarre, je dois bien l'avouer, de se retrouver sur le 2. C'est là qu'on voit que le temps passe. Alors que le 1, justement, je l'avais fait sur ma chaîne en let's play. Alors voilà, je dis pas ça comme ça parce que j'avais fait le 1, parce que voilà, il y a beaucoup de let's play que j'ai fait. Après j'ai fait, enfin j'avais fait le 3, j'ai fait Black Flag, c'est pas pour ça. C'est seulement qu'à la base, c'est The Amazing Spider-Man 1 qui m'a fait exactement évoluer ma chaîne, tout simplement. Alors ça fait plutôt bizarre au final. J'avais posté, je me rappelle, ma chaîne venait tout juste de commencer, elle avait pas beaucoup d'abonnés quoi. Et là j'avais posté une vidéo test de The Amazing Spider-Man qui au final s'est resté bloqué à 150 000 vues maintenant, qui est une de mes plus grosses vidéos populaires. Et voilà, c'est quand même assez flagrant de se dire que c'est le 1 qui m'a fait un petit peu connaître, je vais dire, et qu'après ça a fait de bouche à oreille par les autres jeux. Et là, de se retrouver sur le 2, alors c'est... Je suis plutôt contente de vous proposer ce gameplay, voilà. Alors pour ceux qui sont intéressés, je vais faire un let's play. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, comme d'habitude pour les nouveaux abonnés, un let's play ça veut dire que je commence l'histoire avec vous et que je le termine avec vous en vidéo de 30 minutes, 40 minutes ou des fois 1 heure. Bon, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à suivre l'histoire en ma compagnie. Voilà. Je me tais. C'est pas mon problème. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, ça récapitule tout simplement l'histoire du 1, hein, alors du premier Spider-Man, hein, le premier de The Amazing bien sûr, où on peut voir malheureusement l'oncle de tout simplement de Peter, hein, mourir devant ses yeux. Alors là ça nous récapitule vraiment la base du film. Bon, avec 2-3 petits trucs qui vont sûrement changer à force dans l'histoire, hein, ce qui est normal, sinon ça serait trop chiant si c'est répétitif au film. Et là il faut vraiment se le dire qu'ils ont bien respecté la loi des comics, hein, tout simplement, des comics de Spider-Man. Comme à ce qui paraît, c'est des rumeurs, j'en sais rien. À ce qui paraît, ils ont eu la fameuse, ils ont été acceptés pour la licence de The Amazing. Ce qui fait qu'au final, bah, c'est pour ça que le film respecte un peu plus la loi des vrais comics et le jeu aussi. Voilà. Alors, est-ce que c'est des rumeurs? Je ne sais pas. Si c'est des conneries, ne prenez pas compte à ce que j'ai dit. Oncle Ben! Non! Oncle Ben! Non! Non! Tu vas t'en sortir! Non! Putain! Appelez les secours! Tu vas rentrer. Et tu vas manger un morceau de tarte avec moi. À l'aide! Oncle Ben! Oncle Ben, accroche-toi! Non! Non! Oncle Ben! Allez! En plus, il est tellement moche! Mais il méritait encore du temps devant lui. Oncle Ben était mon rock dans un monde où tout me filait entre les doigts. Un monde où je vivais sans mes parents. Où la morsure d'une araignée génétiquement modifiée m'avait... transformé. Mais j'avais perdu Oncle Ben. En sa mémoire, pour Tante May, pour me racheter après avoir laissé filer celui qui l'a tué. Je suis devenu un héros. Spider-Man. J'ai fait de bonnes actions, neutralisé un tas de sales types. Mais j'ai jamais trouvé l'assassin d'Oncle Ben. Un vide de plus dans une existence cruellement vide. Et c'est la loi, Peter. C'est la loi de la jungle. Bah, vous savez quoi, on va tout simplement se retrouver sur la présentation, profitons un peu du chargement. Alors, ce jeu a été édité par Activision, développé bien sûr par Beenox Studio type action, sorti en France le 2 mai 2014. Alors, logiquement, vous verrez, il y a des chances que vous verrez cette vidéo peut-être un jour avant sa sortie. Si j'ai de la chance, déconseillé moins de 16 ans. Ce jeu est dispo sur PS4, alors là on est sur PS4 à l'heure où je vous parle, et logiquement est censé être disponible aussi sur PC, PS3, 360, One, Wii U, 3DS, iPhone et Android, voilà. Par contre, ils disent ça comme ça dans les présentations. Par contre, PC, pas de date communiquée. Et Xbox One non plus. Alors on sait même pas s'ils comptent avoir une version Xbox One et PC, hein. Mais s'il y en a une, il faudra attendre. Alors désolé pour les joueurs One ou PC, il n'y a que les joueurs PS4 pour l'instant. Et bien sûr les anciennes consoles. Vous êtes jaloux? Vous êtes jaloux? L'homme qui a tué Oncle Ben court toujours. Et je le trouverai. Et on le tuera. 2 ans plus tard. Il y a du temps qui a passé. Je ne penserai jamais à trouver l'assassin d'Oncle Ben. Jamais. Ouah! Jamais nous ne renoncerons! Ah bah voilà, il fallait s'en douter, un petit tuto. Dans un côté, c'est pas si mal. Alors elle. Ah. Normalement, c'était R2 avant. Bizarre. Oh, et là R2. Ah, ok. Ça veut dire chaque toile, enfin chaque côté. Ah, ok, je comprends maintenant. Alors, si on veut tisser sa toile du côté gauche, c'est L2. Si on veut tisser sa toile du côté droite, c'est R2. Voilà. Pas mal, bah pas mal. Ça change, ça. Avant, c'était tout simplement R2, on s'ennuyait pas. Et ça tissait sa toile là où il l'avait envie. Ça correspond à la description du type qui a tué Oncle Ben. Je ferais mieux d'aller voir. Ok, pas de soucis. Alors cette vidéo sera courte, hein, comme toujours, hein, la base de mes découvertes sont souvent courtes. Comme je vous ai dit, de toute manière, il va y avoir les épisodes de Spider-Man vraiment le plus rapidement possible. Alors si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à les regarder. Et d'ailleurs, je tiens à remercier bientôt mes 10 000 abonnés. Alors là, je suis à 9500 exactement, presque 9600. Que d'ailleurs, ça monte plutôt rapidement ces temps-ci. Il y a eu une petite pause, là, ça commence à reprendre une petite habitude, hein, voilà, un petit nombre stable. Et que d'ailleurs, vraiment, je remercie tout ce monde, hein, qui me suit, parce que bientôt 10 000, c'est incroyable, quoi. Ah, ça, à croire que quand j'ai fait cette vidéo du 1, j'avais quoi, 2000 abonnés? Moins? Non, moins, non, moins, qu'est-ce que je dis? Vu que c'est justement la vidéo qui m'avait rapporté autant. Alors ouais, quand j'ai fait cette vidéo, je devais avoir quoi, 100 abonnés, quelque chose comme ça, je pense. Peut-être dans ces trains là. Peut-être que je dis des conneries parce que ça date. Et là je me retrouve avec 10 000 abos pour le 2, quoi. C'est incroyable comment les choses se font des fois. Les choses sont bien faites, hein, des fois. Hé, Larry, ils sont lourds ces flingues, tu veux pas m'aider? C'est moi le chef ici. Ça veut dire que t'es censé faire ce que je te dis. Voilà. Alors boucle-la et fais un petit effort. Voilà, tais-toi et fais ce qu'on te dit. Le chef ressemble un peu à l'homme qui a tué Oncle Ben. Mais j'ai un doute. Il faut que je prenne des photos. Une petite photo. Et voilà. Non, c'est pas lui que je cherche. Qu'est-ce que... Oh, qu'est-ce qui se passe? Localiser la menace? Ok. Wow, ok. Wouah. Et salut tout le monde. Merci mon instant. Spider-Man. Ah, tuez-le aussi. Ah bah ok. On va tous les niquer. Boum. Allez. Bon, désolé, là je peux pas frapper didacticiel. Je ne peux faire que les touches qui me disent. Voilà, maintenant je peux. Allez, c'est parti. Tiens, tiens. Bam. Alors je suppose, c'est comme toujours, on aura des points de compétence qui vont faire qu'au final Spider-Man sera un manche du combat. Pour l'instant, bah, c'est une petite merde qui sait faire que 2-3 coups comme ça sans plus. Boum. Personne ne peut me vaincre. Je m'appelle Spider-Man. Un avenir là-dedans. Ah, ok. Tu vas payer pour ce que tu as fait, Spider-Man. Ok, pas de soucis. J'aime payer ce que je fais. Désolé. Tiens, allez. T'aimes ça, hein? Oh. N'a pas l'air bien. J'aimerais te dire que tu peux avoir une différente. Et c'est... C'est ce qu'on appelle tisser sa toile. Je suis drôle. Ok, ah ok, il fallait attendre. Je peux descendre. Allez, fais-moi descendre de là. La ferme. Montre-moi tes mains. C'est ton genre de chance. C'est pas toi que je cherche. Sauf si t'as fait enlever un tatouage. Non, 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 ça risque pas. J'ai peur des aiguilles et du vide. Donc j'aimerais bien descendre de là. Mais non, ça craint rien. Ouais. Jusqu'à ce que la toile se dissolve. Mais la police te trouvera avant. Pitié, qu'est-ce que tu veux? Je pourrais t'aider à trouver le type que tu cherches. Fais-moi descendre. J'ai l'impression que tous les criminels se ressemblent. Les prisons sont pleines de types comme toi. J'essaie de retrouver celui-ci. Oui, j'ai déjà vu ce type. Il vend des armes à mon boss, Herman Schultz. Je te conseille de pas me mentir. Oui, oui, c'est vrai. Je te jure, Schultz est parti négocier tout à l'heure. Je sais pas si c'est avec ce type, mais il va acheter assez d'armes pour affronter une armée. Une armée? Quelle armée? Les Russes. Ils s'arment, alors nous aussi. Les temps sont durs, alors forcément, il faut être prévoyant. Dis-moi où je peux trouver Schultz, et t'auras le droit d'être attaché à une bouche incendie. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est plutôt confortable, hein? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que bien sûr, hein, ils ont refait le même système. Avec Peter qui a le même humour qu'à peu près comme dans le film. Hein. Il aime bien se moquer de ses ennemis. Ce qui est plutôt fun, hein, au final. Ouais. Allez, salut. Alors comme d'hab, hein, on a le petit ralenti qui nous sert à voir... Attendez, là je suis en plein didacticiel, alors je peux pas... Voilà, on va faire ce didacticiel pour le rendre content. Et voilà. Alors oui, je disais, alors on a comme d'hab le petit ralenti qui nous sert à voir un peu les zones où on peut tout simplement faire un sort de TP rapide. J'aille au chantier tout de suite si je veux. Ce qui est pas mal au final. Alors voilà, on a les bases hein, du 1 et avec quelques petites nouveautés et bien sûr on verra avec les compétences ce que le jeu nous réserve. Voilà. Que d'ailleurs je tiens à me servir de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés parce que beaucoup de gens ces temps-ci me posent des questions sur les prochains let's play que je compte faire. Les prochains let's play, il y aura bien sûr Watchdog, il y aura le Daylight. Alors Daylight, survival, un jeu survival horror, hein, que d'ailleurs j'ai déjà fait la découverte pour ceux qui sont intéressés. Il y aura aussi un let's play sur le nouveau DLC de Outlast, alors aussi un jeu survival horror. Et bien sûr tous les autres jeux, alors il y aura... voilà, tout dépend, ce que... ce qui sort tout simplement, comme d'hab, le même concept reste le même. Je teste toutes les nouveautés. Rentrez chez vous, c'est foutu. C'est vrai que ces temps-ci, c'est un peu la pénurie des jeux. À part Watchdog et 2-3 petits jeux comme ça sans plus, c'est tout ce qu'il y a. C'est vrai que c'est dur. Alors là, je dois choisir. On va se faire celui-là parce que j'en ai envie. Allez. Allez, salut mon pote. Nana. J'imagine que t'as menti sur ton jeu parce que t'es vraiment nul. Personne ne peut me vaincre. Allez, tiens, allez, salut mon pote. Salut. Il faudrait mieux que personne ne mette la main sur ses munitions. Alors, il faut savoir aussi qu'on a un nouveau pouvoir. Alors, ce qui est nouveau. Alors, bien sûr, la vision de l'araignée. Alors, qui nous sert à voir à travers les murs. Faut savoir qu'on pourra, je pense, l'améliorer pour pouvoir voir plus loin ou des trucs comme ça. Faut s'attendre à ça. Et non. Il fait mal par contre hein. Il fait des méchants coups hein. Une, jamais 203. Ok. Ah, vous accompagnez les clients. Je veux parler au responsable. Monsieur Schultz, t'en fais pas, il te trouvera. Faut savoir aussi qu'on peut maintenant contre-attaquer à deux ennemis à la fois, un peu comme à la Batman hein. Je pense. Et ça va tout changer. C'est pour ça qu'on m'invite jamais aux guerres de gang. Je gâche toujours la fête. C'est toi, Schultz? Ton sbire m'a dit que t'étais moche, mais wow! Pas à ce point-là, non? Tu crois que tu me fais peur, Mariole? Je me laisserai pas avoir si facilement. Allez, fais comme tes copains. Tu viens d'acheter un ticket pour l'enfer. C'est parti. Oh non, tu vas me le payer, ça araignée. Ou pas. Allez, bam. Tu vas morfler, mon pote. Tiens. Bam. Dis-moi tout ce que tu sais. Je t'en supplie, ne me tue pas comme les autres. On peut passer un marché. Les autres? J'ai de l'argent, des flingues. Dis-moi ce que tu veux. On raconte que tu fais des affaires avec ce type. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux savoir? Hein? Ah, pas mal. On a un système de questions. Alors, bon, on va tous les faire. Hein. Plus on a de questions, mieux c'est. Le tatouage! Qu'est-ce qu'il représente? Ça vient d'un gang. Aucun gang n'utilise ce symbole. C'est un symbole assez rare. La marque d'un spécialiste qui peut te procurer tout ce que tu veux à condition que tu mettes le prix. Et il tue tous ceux qui lui barrent la route. Ouais. Ça, je le savais déjà. Ok. Parle-moi de la guerre des gangs. Vous pouvez pas faire la paix avec les Russes. Hein, tu rigoles? Après toutes les saloperies qu'ils nous ont faites, mes gars vont pas encaisser ça sans broncher. C'est pas bon pour les affaires. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Les arrêter. Et tu vas m'expliquer comment. Ça va pas être simple. À ce que je vois, ça va encore s'empirer avant de s'arranger. Ok, ça marche, on sait ce qu'on veut. Alors, identifie le meurtrier de Ben. C'est qui l'homme sur cette photo, hein? Karadin. Je sais pas si c'est son vrai nom. Il vend des armes. Il vérifie pas les casiers judiciaires. Où est-ce que tu le rencontres? Mais ça change à chaque fois. On fait savoir ce qu'on veut négocier et il appelle. Toujours sur un téléphone jetable. Et il est du genre parano. Il doit avoir mauvaise conscience. On passe un accord? On a terminé avec les questions. Je n'ai plus besoin de toi. Si tu veux retrouver le type de la photo, rends-toi à Alphabet City et cherche un marchand d'armes du nom de Karadin. Attends, je crois que j'ai son dernier numéro dans mon téléphone. Non, oh, quel crétin! Je tenais tellement à obtenir des réponses que je me suis fait avoir comme un bleu. J'avoue que sur le coup, il nous a bien niqué. Il nous a bien niqué. Et ça, c'est vraiment malhonnête. Après, le petit défaut que je pense, ça doit être un peu le seul défaut. Là, ça a l'air déjà de bien donner au niveau de l'histoire. Les graphismes sont plutôt beaux. Même si je trouve quand même qu'ils auraient pu faire quand même un peu mieux. Mais sinon, à part ça, ça va. Franchement, ça va. Comme disait le capitaine Stacy, sers-toi du menu fretin pour prendre les gros poissons. Ok. Ah ah, intéressant. J'ai une sensation que plus je fais de bonnes actions et plus ma tenue augmente ses statistiques. Les trafiquants d'armes sont souvent parano et prudents. Si je veux retrouver Karadin, je vais devoir pirater l'antenne relais la plus proche pour intercepter ses appels. Ah ben c'est intéressant. Ben mes amis, on va se quitter là-dessus. J'espère que la découverte, pardon, de The Amazing Spider-Man 2 vous aura plu. Je vous dis tout simplement à la prochaine pour les futurs épisodes. Bien sûr, pour le premier épisode de mon Let's Play qui durera, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas un peu, qui ne me connaissent pas du tout au niveau de ce concept. Des petites vidéos de 40 minutes. Des fois, ça peut être un peu plus, même si perso, maintenant, c'est plus surtout des vidéos de 40 minutes. Voilà, pas trop court, pas trop peu. je vous dis tout simplement à la prochaine pour le premier épisode de mon let's play sur The Amazing Spider-Man 2, ou bien sûr le let's play de Daylight, et bien sûr d'autres choses qui vont arriver, comme les découvertes, des petits tests, et après on verra voilà ce qui va arriver avec le nouveau, bientôt le nouveau DLC de Titanfall aussi qui va pas tarder à arriver. Alors il y aura aussi des vidéos dessus. Alors voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver, alors n'hésitez pas à visiter ma chaîne récemment pour voir tout ça. Voilà, je vous dis à la prochaine mes amis, n'hésitez pas de commenter, vous abonner, liker et bien sûr partager la vidéo un maximum pour ceux qui ne connaissent pas, enfin qui ne connaît pas Spider-Man mais qui veulent voir Spider-Man. Vous connaissez peut-être des gens qui aiment Spider-Man et je sais rien moi, tout dépend ce qui vous connaissez, voilà tout simplement. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure, prenez bien soin de vous et papopopop, salut tout le monde, à tous. Never forget, what you do defines who you are. Let's see if a hero or a menace will crawl from the dark.